L'intelligence artificielle a fait beaucoup de progrès, notamment dans le domaine de la musique. Donc l'IA peut maintenant créer des chansons. Donc dans cette vidéo, nous allons créer des chansons qui sont entièrement faites par l'intelligence artificielle. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo puisque l'objectif de cette vidéo est de 400 likes, et n'hésitez pas à récupérer votre accès à la newsletter IA où vous recevrez toutes les semaines des informations sur l'intelligence artificielle. Alors installez-vous bien et on commence maintenant. La première intelligence artificielle s'appelle Suno AI. Elle va vous permettre de créer des chansons avec seulement un prompt. Donc là, avec le lien que je vous mettrai en description, vous allez pouvoir accéder à Suno AI. Et ensuite, vous arriverez sur cette page. Sur cette page, vous voyez bien qu'elle est en anglais. Donc je vous conseille d'activer le Google Traduction pour qu'elle soit en français. Et comme ça, les résultats, les chansons que Suno AI va pouvoir créer, elles seront bien sûr en français. Donc là, vous allez arriver ici, et pour pouvoir l'utiliser, donc premièrement en version gratuite et ensuite en version payante, vous allez devoir aller dans créer. Pour créer, vous allez devoir vous créer un compte, donc soit avec Discord, Google ou bien Microsoft. Une fois votre compte créé, vous allez arriver ici, où vous pouvez choisir par exemple le mode personnalisé, où vous pourrez entrer vos propres paroles si vous en avez. Vous pouvez aussi faire des paroles aléatoires, ou bien sélectionner l'option instrumentale, donc le fait qu'il n'y ait pas de paroles et seulement des instruments. Vous pouvez aussi choisir le style de musique que vous voulez, ou bien utiliser un style aléatoire. Et ensuite, vous allez pouvoir donner un nom à votre chanson ou un titre. Donc là, nous allons essayer sans le mode personnalisé, donc une chanson hip-hop sur l'IA qui est le futur et qui n'est pas effrayante. Donc nous allons voir ce que cela donne. Suno vient de prendre environ une minute pour me créer ces deux chansons, donc nous allons les écouter pour voir ce que cela donne. Le futur est là, l'IA est arrivée. Elle est là pour nous aider, pas pour nous effrayer. Elle est l'intelligence sans cesse évoluer. Une force puissante qui saura nous guider. Elle comprend nos envies, nos rêves, nos désirs. Elle nous guide vers un monde meilleur à venir. Elle est là pour nous soutenir, nous éclairer. Une technologie qui nous aidera à prospérer. Il y a l'avenir intelligent, un monde où tout est possible, inspirant. Nous construirons ensemble un futur. Adieu. Il y a une force qui nous rendra brillant. Voilà, donc là, il vient de nous donner, il vient de nous écrire les paroles de la chanson et il vient de créer directement la chanson. Donc là, ça c'est la première version. Et donc là, il y a une deuxième chanson avec un rythme différent. Le futur est là, l'IA est arrivée. Elle est là pour nous aider, pas pour nous effrayer. Elle est l'intelligence sans cesse évoluer. Qui saura nous guider. Elle comprend nos envies, nos rêves, nos désirs. Elle nous guide vers un monde meilleur à venir. Elle est là pour nous soutenir, nous éclairer. Une technologie qui nous aidera à prospérer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment incroyable ce que Suno AI vient de faire. Il vient tout simplement de nous écrire les paroles. Donc maintenant, nous allons faire un autre test, donc avec une chanson hip-hop de pourquoi tu devrais t'abonner à Experimentara sur YouTube pour les dernières nouveautés de l'IA et outils IA. Donc là, nous allons créer cela. Donc là, les chansons viennent de se terminer. Donc maintenant, nous allons les écouter. Si tu cherches les dernières tendances, y'a qu'un seul chemin à suivre. Espérantaja sur YouTube, c'est là où ça se passe. L'IA, les outils pour ton avenir, tout est là. Tu veux rester connecté, alors abonne-toi sans tarder. Le futur est en train de se construire. Espérantaja y est déjà. Les nouveautés, les innovations, tout est ici à portée de main. La technologie, l'intelligence artificielle, ça révolutionne tout. Rejoins la communauté, ensemble on avancera vers demain. Alors maintenant nous allons écouter l'autre version que ce Suno vient de générer. Si tu cherches les dernières tendances, y'a qu'un seul chemin à suivre.
expérimentage sur YouTube, c'est là où ça se passe. IA, les outils pour ton avenir, tout est là. Tu veux rester connecté, alors abonne-toi sans tarder. Oh yeah. Le futur est en train de se construire, et expérimentage à y est déjà. Les nouveautés, les innovations, tout est ici à portée de main. La technologie, l'intelligence artificielle, ça révolutionne tout. Rejoins la communauté, ensemble on avancera vers demain. Donc là, Suno, il a fait deux versions, une avec une voix d'homme et une avec une voix de femme. Donc là, ça permet d'avoir deux versions. Donc là, on va essayer quelque chose. Donc, on vient de créer une musique et là, il y a écrit remixer. Donc, on va remixer et là, donc là, il y a les paroles et on peut changer des choses. Donc là, on peut changer le style de musique. Au lieu que ce soit, par exemple, du French hip-hop, là, on peut mettre, utiliser un style aléatoire. On va mettre, j'en vais en prendre un au hasard et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va mettre celui-là, Dreamy Blues. Et là, on crée. Et là, on va voir ce que ça fait. Là, il en crée deux de plus. Donc, en gardant les mêmes paroles qu'il a fait. Donc là, elles viennent d'être terminées. Donc, en style de musique Dreamy Blues. Et là, on va voir ce que ça donne. Si tu cherches les dernières tendances, il n'y a qu'un seul chemin à suivre. Expérimentage sur YouTube, c'est là où ça se passe. Il y a les outils pour ton avenir, tout est là. Tu veux rester connecté, alors abonne-toi sans tarder. Oh yeah. Le futur est en train de se construire et expérimentage y est déjà. Les nouveautés, les innovations, tout est ici à portée de main. La technologie, l'intelligence artificielle, ça révolutionne tout. Rejoins la communauté, ensemble on avancera vers demain. Expérimentage à la chaîne du futur. Et maintenant on va écouter l'autre. Tendance, y'a qu'un seul chemin à suivre. Expérimentage sur YouTube, c'est là où ça se passe. Y'a les outils pour ton avenir, tout est là. Tu veux rester connecté, alors abonne-toi sans tarder. Donc là, avec Suno AI, vous pouvez vraiment créer des chansons sans ne rien savoir, seulement avec un prompt. Et c'est vraiment incroyable parce que vous avez vu la qualité professionnelle qu'il vient de créer. Et tout ça en plus, c'est avec un compte gratuit. Donc imaginez, si vous prenez un compte payant, vous allez pouvoir en créer énormément. Donc là, franchement, c'est incroyable, c'est époustouflant. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé comment se prononce le nom de notre chaîne YouTube. Donc ça se prononce Experimentaja et non Experimentaja. La deuxième intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des chansons s'appelle loudly.com. Donc le lien sera en description. Donc après vous être créé un compte, vous allez accéder à ce tableau de bord. Donc premièrement, je vous conseille d'utiliser le Google Traduction et de mettre en français pour avoir les fonctionnalités en français. Donc là, nous allons essayer le générateur où là, vous pouvez voir que dans la sidebar à gauche, nous avons plein d'options comme par exemple le genre, la durée, les instruments, les mélanges de genre, l'énergie, etc. Donc là, vous pouvez aussi choisir un style de musique, donc hip-hop, reggaeton, techno, etc. Pour ce test, nous allons prendre hip-hop. Donc là, voilà, donc ça, c'est le genre. Ensuite, la durée. Si vous êtes en version gratuite, la durée maximum sera de 30 secondes. Et si vous voulez plus longtemps, il va falloir payer pour un abonnement premium. Ensuite, les instruments. Ici, vous pouvez choisir des tambours, des synthés, des basses, des clés, des guitares, etc. Vous pouvez choisir le nombre que vous allez. Donc le maximum, c'est 2. Et vous allez pouvoir choisir lesquels vous voulez. Et vous pouvez aussi choisir au hasard, donc randomiser. On va mettre au hasard. Donc tambour, synthé, cordes, cuivre, bois. Et ensuite, là, vous allez mélange de genre. Donc vous pouvez, en plus du hip-hop, dans cet exemple, vous pouvez choisir un autre genre. Donc là, nous allons mettre techno. Ensuite, vous avez énergie. Donc l'énergie qui se trouve
ou l'énergie qui se trouve ici, il y a faible, original ou haut, donc nous allons laisser en original. Ensuite, nous avons la structure. Donc pour la structure, comme vous le voyez ici, vous pouvez par exemple que ça monte, ensuite que ça descende et que ça remonte, etc. Donc ça, c'est l'original, le classique. Ensuite, vous avez ici jusqu'à l'os, donc ça ne veut rien dire. Donc en fait, c'est juste que là, ça va être très fort et ensuite, ça va s'atténuer comme vous pouvez le voir avec les barres ici. Et là, il est écrit « Attends-le ». En fait, là, il va y avoir du suspense, donc un rythme assez normal. Et ensuite, là, ça va bouger pour redescendre à la fin. Et là, il y a le combustible, la combustion lente. Donc en fait, ça va aller de plus en plus, ça va augmenter le rythme pour aller descendre. Donc là, on va choisir par exemple celui-là pour le test. Ensuite, nous avons le tempo. Donc le tempo, il est écrit que c'est recommandé entre 80 et 95. Donc on va mettre 88, je trouve que c'est assez correct. Et ensuite, il y a les clés. Donc là, soit une mineure ou un majeur. Donc nous allons mettre en majeur et nous allons mettre D. Nous allons mettre en Do. Donc voilà. Et là, nous avons juste à mettre générer. Donc là, il vient de nous créer les chansons. Il a vraiment pris 10 secondes à faire 3. Donc là, nous allons les écouter. Comme vous pouvez voir, si vous avez bien fait attention, nous retrouvons encore une fois la combustion lente, le slow burn. Donc en fait, que ça monte de plus en plus pour redescendre. C'est des chansons qui sont faites seulement avec des instruments. Et là, nous allons écouter la dernière pour voir ce qu'ils nous ont fait. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'il a fait différemment. Donc là, par exemple, quand vous venez de créer des chansons, vous pouvez ici, il y a écrit studio. Donc là, nous sommes dans le studio, donc je vous fais écouter l'original. Voilà, ensuite, maintenant, nous allons activer le radio. Radio, hop. Là, on va voir la différence. Donc là, on peut voir directement que c'est beaucoup plus rapide et que les notes, elles sont plus saccadées. Donc, on remet à zéro et ensuite... On remet à zéro et ensuite nous allons voir donc là détruire. Donc là, bien sûr, nous remettons l'original. Ça, c'est l'original. Et ensuite, détruire. Donc là, on va voir. Donc là, on remet l'original pour voir la différence. Donc on peut voir que là, il ajoute quelques effets avec détruire. Donc, il ajoute quelques effets. Je trouve que ça rajoute un petit truc, mais franchement, c'est pas très intéressant. Ensuite, nous allons essayer si elle bat. Donc, je vous remets l'original. Voilà. Et maintenant, nous mettons si elle bat. Comme vous pouvez le voir, en fait, en activant ciel bas, les notes, elles restent beaucoup plus longtemps, elles sont allongées. Et d'ailleurs, c'est pour ça, si vous avez vu, quand j'ai coupé, le son a continué. Et par contre, quand j'ai baissé ciel bas, là, elles se sont directement arrêtées. Donc ça, je trouve, c'est une fonctionnalité qui est intéressante et qui, franchement, est pas mal à utiliser. Donc là, on refait original. Donc là, je vous remets l'original. Et maintenant, je vous mets espace. Donc là, on peut voir encore une fois que ça allonge et que ça rajoute, je trouve, je pense, un effet qui est moins présent que pour ciel bas. Donc maintenant, donc là, nous avons essayé le dernier, l'original. Voilà, je vous remets en arrière. Et là, le coup de poing de maître. Ça, bien sûr, encore une fois, c'est le Google Traduction. Si vous laissez en anglais, c'est Master Punch, Space, Even Low, Destroy and Radio. Donc là, voilà, coup de poing maître. Donc, je trouve que ces fonctionnalités, elles ont des avantages. Elles permettent déjà de pouvoir modifier la chanson, les instruments que vous avez créés, que Laouli a créé, et vous pouvez changer quelques fonctionnalités. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Donc pour les plans de Loudly, vous avez en premier le gratuit, donc obtenir des chansons de haute qualité pour vos projets numériques.
Donc là, c'est zéro et pas de carte de crédit qui sont nécessaires. Donc nous avons 25 créations de chansons par mois, donc d'une durée maximale de 30 secondes, c'est ce que je vous ai dit précédemment, et un téléchargement par mois, donc vous pouvez télécharger seulement une musique, et MP3 de qualité standard. Ensuite, pour le personnel, à 6$ par mois, vous avez 300 générations de chansons d'IA par mois, maximum 210 secondes, 300 téléchargements par mois, et ensuite vous avez la licence qui couvre tous les médias sociaux, la live stream. Vous pouvez monétiser toutes les chaînes, y compris YouTube, et etc. Et ensuite, vous avez par exemple le 15$ où vous allez pouvoir lasser 420 secondes et générer des pistes illimitées, des chansons illimitées, 500 téléchargements par mois, 20 paquets de tiges par mois et la couverture complète de la licence comprend support publicitaire, numérique payant, travail client, etc., etc. Donc là, on voit bien la différence qu'il y a. Et ensuite, pour Suno AI, vous avez différents forfaits. Donc le gratuit, avec 50 crédits renouvelés quotidiennement, donc 10 par chanson, des conditions non commerciales et pas de recharge de crédit et du fil d'attente de génération partagée, et deux tâches en cours d'exécution à la fois. Ensuite, le forfait pro à 8$ par mois. Donc là, vous avez 2500 crédits qui sont renouvelés par mois, donc 500 chansons, des conditions commerciales générales, des recharges de crédits qui sont facultatives, et 10 tâches de cours d'exécution à la fois. Et ensuite, vous avez le forfait premium à 24$ par mois, donc qui là, vous avez 10 000 crédits renouvelés mensuellement, donc 2 000 chansons, des conditions commerciales qui sont générales, des recharges de crédits facultatives, une file d'attente génération de priorité, etc., etc. Donc vous avez ces trois plans que vous pouvez soit avoir donc une facturation annuelle ou bien une facturation mensuelle. En conclusion, ces deux outils que je vous ai présentés dans cette vidéo sont vraiment incroyables, donc surtout Suno AI, avec lequel vous pouvez créer des chansons juste avec un seul prompt et vous allez pouvoir avoir les paroles d'une chanson et l'acoustique d'une chanson et ça va vraiment être incroyable. Vous allez pouvoir aussi changer le style de musique et tout ça, c'est vraiment incroyable. Donc là, l'IA va vraiment bouleverser le domaine de la musique, enfin, ça c'est mon avis. Donc si vous avez vu ce qu'on peut faire actuellement juste avec une IA, et imaginez dans le futur, dans quelques années, comment est-ce que l'IA va évoluer dans ce domaine. Donc je suis vraiment impatient de découvrir les évolutions qu'il va y avoir dans le domaine de la musique. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Experientara et pas Experientaja et liker la vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine.